Il y a une dizaine d'années, les femmes découvraient avec ravissement des pullovers qui ne ressemblaient à aucun autre. Des chandails tout minces, près du corps, loin du cou, tels qu'elles les rêvaient sans le savoir. Et puis, il y a eu des robes, des tuniques, des jupes culottes, des pantalons, des vestes. Des vêtements, on peut dire que des vêtements que les femmes ne portaient pas, mais dans lesquels elles se glissaient. Des vêtements faits pour de nouveaux gestes, des vêtements faits pour bouger, pour un mode de vie, le nôtre. Plus de pinces, plus d'ourlets, des coutures apparentes, bref, un style était né, différent de tout, créé par une femme différente de tous les couturiers, par Sonia Riquel. Aujourd'hui, Sonia Riquel est connue dans le monde entier, elle est à la tête d'une véritable entreprise. Et puis aujourd'hui, elle est en Suisse. Alors nous allons vous demander, Sonia Riquel, de nous raconter un peu le début de cette aventure, si vous voulez bien. Le tout début, c'est difficile parce que je suis au fond une femme comme les autres et j'ai commencé comme les autres femmes, c'est-à-dire que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je n'ai rien fait, je me suis occupée de ma maison. J'étais une femme d'intérieur et puis au fond, je crois que je trouvais toujours tout ce qui me convenait dans tous les domaines, en littérature, en peinture, en musique, mais dans les vêtements, pas du tout. C'est-à-dire que les vêtements étaient toujours à côté, c'était toujours quelque chose qui n'était pas pour moi, qui était dans le mauvais sens, si on peut dire. Et au fond, je crois que c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait être exactement à ma mesure, pour moi. Comme quand j'avais envie de lire un livre, quand j'avais envie de voir une exposition, quand j'avais envie de m'envelopper de quelque chose. Je pouvais m'envelopper au fond de littérature, de peinture, de musique, mais pas de vêtements. Et ça, je trouvais profondément injuste, au fond. Je trouvais qu'il fallait que je trouve mon univers, en fait, mon uniforme. Et j'ai commencé à faire des vêtements pour moi, tout simplement. Et le début, c'est ça. Le début sur le plan pratique, parce qu'il y a quand même des détails intéressants, me semble-t-il, sur le plan pratique. Le tout premier pull dont on a beaucoup parlé, qui est toujours à la mode, bien que le terme mode ne vous soit pas très agréable. Le tout premier pull, c'est un hasard. C'est-à-dire que les pulls au départ étaient immenses, ils étaient très grands, ils étaient très larges, ils étaient au fond, c'était des pulls qui étaient faits pour des hommes et des pulls qui n'étaient pas faits pour des femmes. J'ai donc essayé de les mettre à ma forme. Au fond, c'était une forme dans une autre forme. J'ai essayé de les rendre malléables, si on peut dire, de les rendre mobiles aussi. Et ça a été très difficile au départ parce que personne ne me croyait. Tout le monde me pensait que j'étais complètement un peu folle, un peu possédée. On disait, mais c'est pas possible, ce sont des pulls pour des enfants, ce ne sont pas des pulls qu'on peut mettre. On a appelé ça d'ailleurs en Amérique le pull du pauvre petit garçon. C'était assez drôle, ça m'étonnait, mais bon. En tout cas, le premier pull qui est sorti, qui a fait 7 fois l'aller-retour entre l'Italie et la France. C'est le pull qui a fait la couverture de Elle et c'est parti comme ça, au fond. Au départ, j'ai voulu me créer un uniforme pour moi. J'ai voulu me créer un vêtement pour être différente. Et au fond, je me suis aperçue que j'étais comme les autres, puisque ça allait aux autres. Donc, c'est un immense succès, incontestablement. Vous le savez. Et comment le ressentez-vous, ce succès ? Est-ce que vous avez envie de l'élargir ? Je trouve ça normal, ce succès, au fond. Je trouve que c'est qu'au fond, il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose qui existe et qui est exact, certainement. Et je ne veux pas chercher de raison, je ne veux même pas les comprendre. Je voudrais continuer, au fond, dans cette espèce de côté magique, sorcier,
qui fait qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça marche, on ne sait pas très bien pourquoi ce sont ces couleurs-là qui vont marcher, ce sont ces formes-là. Au fond, on ne sait pas très bien. C'est un peu l'histoire de l'ordre et du désordre, en fait. Je crois qu'il faut beaucoup de désordre pour faire les choses, mais en même temps, c'est parce qu'on a beaucoup d'ordre qu'on arrive à faire du désordre. Du désordre parfaitement organisé. Pas parfaitement organisé, du désordre qui est quelquefois de la folie, qui est quelquefois du débordement, qui est quelquefois de l'éclatement, et qui est en même temps, quelque part, quelque chose aussi de très rigoureux, de très violent, de très grave, et de très, très difficile aussi. Sur le plan pratique, comment se passe votre création? C'est-à-dire, comment travaillez-vous? Est-ce que vous avez une espèce de discipline, une espèce d'horaire? Est-ce que ça se passe dès le matin ou plutôt le soir? Jamais. J'ai aucune discipline. En fait, je travaille tout le temps, sans arrêt. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de travailler. J'ai des tas de choses qui m'arrivent dans tous les sens, qui éclatent comme ça. Je ne peux pas comprendre pourquoi, c'est simplement comme ça. Je pense que nous sommes, nous les créateurs, un peu à part, un peu marginaux au fond. Et que ce que vous voyez avec certains yeux, moi je le vois avec d'autres. Et que je le traduis d'une certaine façon. On ne peut pas l'expliquer et je crois que surtout il ne faut pas l'expliquer. Je crois qu'il ne faut pas chercher de vérité. Je crois qu'il faut prendre les choses comme ça, telles qu'elles sont. Et surtout pas essayer de les diriger. Est-ce que la réussite commerciale signifie qu'on ne s'est pas trompé? Oui. Oui, en fait, oui. J'ai cru longtemps que quand quelque chose ne marchait pas, c'était qu'on était en avance ou qu'on était incompris. Mais j'ai compris depuis qu'en fait, c'était pas ça. Que ce qui marchait, c'était ce qui était bien, c'était ce qui était juste et c'était ce qu'il avait fallu faire. Et qu'au fond, la sanction commerciale est la véritable sanction. Quand vous voyez des femmes porter vos vêtements, est-ce que cela vous est tout à fait indifférent qu'ils soient plus ou moins bien portés, parce qu'elles ne les porteront jamais comme vous, bien entendu, puisqu'ils ont tous été créés, vous les avez faits pour vous? Oui. Est-ce que vous êtes indifférent? Totalement. Totalement. Je pense qu'à partir du moment où on a créé quelque chose, où on a fait quelque chose, ça devient le domaine public. C'est-à-dire que vous, vous êtes l'expression. Et qu'après, ça appartient aux autres, ça ne vous appartient plus. Et que c'est tout à fait normal que ce soit mal porté, que ce soit bien porté, que ce soit à l'envers, que ce soit à l'endroit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que certaines directions soient comprises, certaines idées soient comprises. C'est-à-dire qu'au fond, dans le vêtement, il y a la femme. On peut dire, par exemple, que le vêtement, c'est la forme, et que la femme est donc une autre forme qui est dessous, et qu'au fond il faut qu'elles se mêlent ces deux formes, qu'elles s'entremêlent, qu'elles vivent ensemble, et que ce soit un tout, que ça ne se dissocie pas. Je crois que c'est pas du tout le vêtement qui va faire qu'une femme soit libre, ou qu'une femme soit désirable, ou qu'une femme soit tendre ou douce, ou tout ce que vous voulez. Je pense que c'est elle qui va le déterminer, et à partir de là, c'est elle qui fera que le vêtement deviendra quelque chose qui va lui permettre d'être mobile, douce, tendre, calme, sensuelle, mystérieuse, touchante, tout ce que vous voulez. Mais je crois qu'en fait, il n'y a pas de mode. La mode, ça n'existe plus. C'est démodé, si on peut dire. Je crois qu'il y a simplement un mode de vie, un mode d'emploi. Et que je pense que on bouge, on part, on vit et ça vous suit. Ça n'est pas la mode qui fait ou qui vous fait. C'est vous qui faites la mode et c'est vous qui la faites, cette mode. Et ça, c'est très important. Et en plus, c'est normal parce que la mode, ça ne veut rien dire. Suivre la mode, c'est complètement décadent, c'est complètement, encore une fois, démodé. Est-ce que les femmes vous intéressent?
Si je réponds non, vous allez être étonnée, mais si je suis franche, je vais vous répondre que non, pas vraiment. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnages, c'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme ou un enfant ou un animal. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui va me choquer, qui va me troubler, qui va me faire un espèce de double regard. Quand je vois quelqu'un et que je tourne la tête deux fois, c'est que il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Que ce soit une femme, un homme, encore une fois un enfant ou un animal, c'est la même chose. Je ne crois pas que... Je ne peux pas dire que je vois une femme et je trouve qu'elle est mal habillée et que je pense que je vais lui dire tu devrais mettre ça, tu devrais faire ça, pas du tout. Ça, au fond, ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout, du tout. Je pense que chaque femme doit trouver elle-même sa propre personnalité, sa propre tenue, sa propre vie, en fait. Que ce n'est pas à moi de lui expliquer, ce n'est pas à moi de lui dicter. Je pense que c'est à elle de se créer. Est-ce que vous allez élargir un jour, vous ne le savez peut-être pas encore, votre domaine de création? Est-ce qu'un jour vous imaginerez, par exemple, je ne sais pas, des meubles dans lesquels il fait bon vivre, comme dans vos premiers fameux petits pullovers? Vous savez, je crois que, encore une fois, on ne peut pas répondre. Je peux vous dire oui, mais je ne peux pas vous répondre non. Au fond, je ne sais pas. Les choses vous arrivent comme ça, et puis peut-être qu'un jour je ferai des meubles, peut-être qu'un jour je ferai autre chose, mais peut-être, c'est pas sûr. Mais pourquoi pas, puisque vous faites des confitures. Est-ce que ces confitures, moi, ça me semble symbolique. Est-ce que c'est un symbole pour vous ? Oui, c'est un symbole. C'est un symbole, en fait, encore une fois, de la maison. On peut imaginer que le vêtement, c'est la maison. C'est-à-dire, c'est l'endroit où vous vivez. C'est l'endroit qui devient votre univers, qui devient, en fait, votre uniforme. C'est donc comme une maison. À partir du moment où c'est votre maison, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de confiture. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de drap. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de serviette. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de tout. Et ça fait partie. Sonia Riquel, je me pose la question de savoir si un jour, vous allez faire comme des tas de gens, vous allez écrire. Mais j'écris déjà. J'aimerais beaucoup écrire plus. Mais oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je crois qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et c'est assez difficile parce que j'ai l'impression d'avoir la maîtrise de ce que je fais, mais non pas la maîtrise de ce que j'écris. Et je crois que ce qu'on fait, il faut le faire bien. Et si un jour j'ai la maîtrise de ce que j'écris, j'écrirai.